Bonjour à tous, ici Amangoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous pouvez constater, on va parler du Rush Duel, le nouveau jeu sur Switch qui est annoncé au Japon. Et donc du coup avec ça on fera également un point sur l'animé, le point de la mécanique, et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense en fin de vidéo. Je vous ferai également plus tard la vidéo sur Yuga, donc son histoire qu'on connaît dorénavant. Et donc pour ça, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et notification. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on est parti. Et j'écrirai également les photos et les images qu'on voit. Et les sites seront bien sûr en description comme d'habitude. Alors, donc Nintendo Switch Rush Duel. Là on voit un personnage inconnu, on va voir plus tard dans la vidéo. Ensuite là il y a Hook, Romin, Gakuto, Yuga, Roi et Dai. Et donc du coup pour ce jeu de Rush Duel, là on voit les trois cartes promo. Donc la troisième carte c'est la carte pour ce personnage-ci. Et donc on va voir ses effets. On a en carte légendaire, petite unité, des cartes légendaires. La magicienne des ténèbres, un monstre niveau 6, ténèbres magicien, elle a un effet continu qui gagne 500 points d'attaque fois le nombre de magiciens cimetières dans les cimetières. Niveau monstre, c'est Saikyo Battlefield Ace Breaker. Et donc le nouveau Rush de S, c'est sur le PS. Donc l'effet du meilleur monstre, c'est un monstre niveau 7, lumière magique. Battle Royale, mais ça signifie également un autre truc. Je pense que c'est la suite d'un jeu vidéo qui a été sorti à Nintendo 3DS et que moi j'ai sur l'ordinateur. Mais je vous ferai également la suite de mes petites aventures sur ce jeu. Là en plus on voit la drone de Yuga qui est Kaizo. Donc là on voit le personnage avec son meilleur monstre et tous les autres meilleurs monstres de nos autres personnages. Donc c'est le Card Battle, je disais, donc on peut l'avoir avec savoir les modalités, je vous mettrai également la vidéo de Jean-Tony, une vidéo où il explique. Donc voilà, on a l'utilisateur visuel interface, donc versus. On a également un petit peu comme dans Jenkins, mais sauf que là, comme on voit les règles, c'est des règles de lui, comme dans le TCG. Là, comme dans Jenkins, on voit les plus petits visuels. Donc on a des descriptions, des effets, des différentes cartes. Là on a un perso de 3D du monde. Donc là c'est le premier épisode. Et donc ce que je trouve qui est absolument drôle, c'est que dans l'anime de Seven, que je vous mettrai également en description, on aura là c'est avec le Battle Royale. Links, on a les animations des autres montres. Voilà, et donc ici, donc là c'est toutes les cartes. On a également
voilà, j'ai bien.